Et nous sommes repartis. Alors c'est un peu le même système que... on va dire que la dernière fois on était un peu bloqué. Mais je crois que c'est le même système que quand on était à Denver. Et on devait parler ceux des cerfs-volants là. C'est la même chose. Je trouvais pas la personne en fait avec qui parler. Et là je crois qu'on est on apparaît. J'ai regardé un peu Google vite fait. Et ce qui est embêtant, c'est que dans le journal d'émission, ils nous disent pas qui parler. À moins que je sois con et que depuis le début du jeu, j'ai pas regardé. Non, non, ils nous disent pas. Non, ils nous disent pas en fait qui pourrait nous aider ou à qui parler. Donc, si je dis pas de bêtises, Maître Beta, voilà. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'on lui a parlé à cette personne au début, honnêtement? Parce que moi, je m'en rappelle pas. Mais bon, bref. Non, non, on lui a pas parlé. Oh, well, I asked you a question last time, and you got mad. I won't ask you again, but can I ask your friends? I don't give a damn. Thanks. So hey, you're kind of hot. How'd you like me to take your picture? Okay. Okay, d'entre nous. Oh, all of you. You're all so tough and dangerous. J'ai une tente pas loin si vous voulez vous mettre à l'aise. I got a tent nearby if you want to get comfortable. Peut-être plus tard. That's a better answer than I usually get. So, alors, nous avons trouvé une cassette du nom. Voilà, c'est ça, c'est ça. How do you have that? I thought I hit that where... C'est donc à vous. Alors, qu'est-ce qu'il y a dessus? No, no, no! I've never seen that tape in my life. I don't know what you're talking about. Alors, gros dur en pot, faire exploser la gueule, c'est ce que vous donniez le lecteur, ça vous dirait. Non, 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 please, don't hurt me. Here, here's the camera you can play the tape on. Voilà. Just watch it in the playback window. C'est un peu bête. Je pense qu'il devrait faire quelque chose par rapport à ça, genre pour trouver. Alors oui, je sais que tous les genre les NPC, un NPC banal en fait, ils ont tous le même nom. Et quand on regarde après ceux avec les noms un peu spéciaux et tout ça, unique en fait, c'est avec ceux qu'on peut parler. Mais des fois, il y en a tellement des NPC qui se fondent un peu dans la masse. Il faudrait peut-être, je sais pas, faire un contour différent sur les noms des NPC, des trucs comme ça. Honnêtement, moi, ça m'aiderait. Je crois que ça m'aiderait un peu des fois, parce que on parle tellement à différents gens et on va tellement à différents endroits. Moi, je me perds au bout d'un moment. It's well, I've kind of got a thing for Liberty Buchanan. She's so commanding, you know. Every time she comes out of her compound, I try to sneak some footage of her to. Ew. So one time, I was following her around, and I shot her talking to Steel Trap, and well, if the other gangs heard what Steel Trap said about them, boom, you know, like big. I was gonna show it to the payaso boss, Lecharito, the next time Steel Trap picked on me, but, anyway, you've got it now. Ok. Oh, 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 tu vas où la caméra? Oh, you're back! I can't get over how hot you are. Are you sure I can't take your picture? S'il vous plaît, arrêtez. Ok. So, I'm Beta Master. Colorado's number one TV personality. Every episode of my show. Un carton. Okay. Yeah. Ce serait un carton si c'était diffusé. Au revoir. Bon, voilà. Donc, on a progressé. Putain, difficilement, on a progressé. Honnêtement, j'aime pas du tout cette partie du jeu. Une fois que les chiens, le chef Payeur aura écouté la cassette, nous avons trouvé, il ne lèvera pas le petit doigt pour gueule d'acier, nous devons juste le lire dans les parages. Ok, ça marche.
Le clone, c'était là. Ah oui, et j'ai regardé aussi les différents alliés qu'on peut avoir. Donc il nous en manque deux. Donc un, je le savais, parce qu'on l'a tué. Enfin, les deux, enfin non, on en a tué un. C'est celui-là avec les armes contendantes, là. Poisson, je sais plus quoi, là. Le mec qui nous a dit, ah, je peux vous rejoindre si vous voulez. Donc lui, c'en est un. Il y en a 8 en tout, je crois bien. Et après le deuxième, bah, c'était Vic en fait. Vic peut nous rejoindre aussi. Mais c'est un psychopathe et personne l'aime, donc ils disent que c'est un peu la merde une fois qu'il rejoint votre groupe. Mais voilà, et je crois qu'on les a tous. Après, on a la mutante. Donc on a la mutante, Jody, Kwon, Cordit, Scott. Après, avec les deux que j'ai dit, ça fait 7. Et Lucia, 8. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Hey, c'est old news again. What do you want now? J'ai quelque chose à vous montrer. Oh, really? Will I need a magnifying glass to see it? Wow, la blague! Parce que, hey, on est une petite bite, c'est ça qu'il veut dire en fait, il insinue, lol. Alors. Trouvez une cassette, gueule d'acier, le personnage s'entend pour utiliser PS comme char à canon, je t'ai quoi un oeil. Si vous ne tenez pas à avoir la preuve de gueule d'acier contre une voiture en patrie, il n'y a pas aucun problème à la prochaine. You what? Let me see that, pendejos! Arrête de m'appeler Pendero, ça commence à me gaver. They've been zooming me for weeks, telling me the payasos are an integral part of the plan, and now I find out they're using me for martial bait. Trust you to be blinded by a pat on the head. Fuck you, has-been. But all right, I'll back your play. Has-been. I still think you're yesterday's lunch and a high horse snob, but at least you never shit in my face and told me it was candy. Wow. Whenever you're ready, the payasos will be right behind you. Okay. Now get off my porch. Okay. Après, j'ai regardé. Bon, le raccord dit ça s'arrange. J'ai regardé. Il y a plein de vidéos sur YouTube, genre comment avoir plein d'argent, comment monter très haut de niveau très vite. Il y a plein de systèmes avec, genre avec Lucia là, la marchandise. On pourrait apparemment vendre la camelote et vous la racheter, vous la revendez et tout ça. Je pensais aussi à le faire. Enfin, j'ai pensé que ça pouvait se faire. Parce que vous avez une chance que ça se revende genre 40 fois plus cher là. Et en fait, vous faites ça jusqu'à avoir 10 000, 20 000, 40 000 d'argent. Il y a des trucs comme ça. Et après, le skill là qu'on disait, où vous gagnez tous les deux niveaux, vous gagnez un point de compétence. Bah, c'est vachement bien, ça aide énormément en fait. Pour avoir des compétences très hautes très vite, ça aide énormément. Donc ouais, nous au lieu de... Nous on s'est un peu concentré en fait sur les trucs... Enfin de combat. Mais au final, on pourrait faire... Enfin, il y en a en fait qui font un peu différemment, c'est-à-dire qu'ils vont surtout augmenter bah, les crochetages et tout ça très vite, très haut. Comme ça, vous pouvez avoir accès à des armes ou alors des marchands de très haut niveau, alors que vous êtes à peine niveau 10 et pas très haut dans l'histoire et tout ça. Mais ouais, il y a plein de différentes façons de jouer au jeu, honnêtement, c'est sympa. Bon, du coup, alors toi, on t'a fait ça, c'est bien. Ok, pané de la dernière pluie, ça c'est fait. Ok. Talk to me when you're ready to take on Steel Trap. Otherwise, don't now get lost. Ok, maintenant du coup, je crois qu'on peut commencer le combat. Ou alors on va...
On va au parc éolien. Bah attendez, on va sauvegarder. Et on va aller au parc éolien vite fait. Voir si ça a changé quelque chose, mais je pense pas. Sinon on va juste parler à... gueule de fer là. Gueule de fer. Ouais, on va juste parler à gueule de fer après. J'ai bien envie de le refaire le jeu, je sais pas si ça... Peut-être que ça me gaverait en fait. Bon par contre, faudrait... Je zapperai toutes les conversations en fait. Je zapperai un peu toutes les conversations et tout. Je sais pas si... Ouais, non, peut-être que ça me saoulera au bout d'un moment. Enfin, refaire les combats de bas niveau et tout ça, c'est chiant. Parce que là, on s'amuse, qu'on a plein de trucs différents à faire, mais... Mais ouais, refaire du bas niveau, je sais pas si ça... Ça me gaverait pas, en fait. Back again, huh? Y'all come back now, okay? Wanna see my whopper? Non, merci. Ouais, je crois qu'il n'y a rien qu'à changer pour le moment. Il n'y a rien qu'à changer, ça va. On va peut-être le finir. Hein. Ready now? What are you talking to me for? Fuck off. On n'a pas fini encore. Did it? You kiss you. You did it. You used my tape to turn the Payasos against Steel Trap. You kiss you. I got this. Where's the fucking... Ah putain, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Faut les autres fous alors du coup, mais ouais lui là, mais Again you're here. I do. He wants his gods to be with his destiny. Je suis perdu. You're telling me. Everybody thinks she can double process and get away with it? No, Jesus gotta go fly a kite. I told you before. Fuck off till go time, pendejos. Hey, cabrons! From now on. Now, what do you want? Funny you should ask. Oh, ça me gave. Payasos! Liquefy these bitches! Okay. C'est une erreur, désolé. Faut aller à l'arène peut-être. Ça commence légèrement à me courir sur le haricot. Je vais être honnête. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Ça! Ouais, tu veux que je fasse ça en fait. Mais je sais pas comment le faire. Attends, peut-être que les esclaves ils ont maintenant un truc à dire en plus. Good to see you. Stay sharp, masters. Again,
Need some stitching? Come, okay. Trop cher. The new overseers? If you don't make eye contact, they don't keep. Okay. On va là. Je crois que c'est arrivé au moment où ça me gave un peu. Désolé, mais bon, c'est comme ça. Au bout d'un moment, c'est gavant. Tu vois, c'est pas très évident en fait ce qu'il faut faire. Que ça va arrêter la mission ou pas? Oh la vache. Oui, c'est vrai que j'ai le miel en premier. Putain! Quand j'avais dit que je devais faire ton meilleur tir, je plaisantais. Je disais un genre tir à gueule d'acier, ça me ferait. Ah oui, non, ça l'a annulé. Alors, sans ces plusieurs scènes, nous a dit que. Même si nous n'avons pas pu nous débarrasser des pêcheurs CS, nous avons fait ce que vous pouvez... Ouais, non, non. Faire ça, ça annule la mission, évidemment, parce que ça les rend hostiles. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Aïe, 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 aïe. Ce qui est logique. Plusieurs savants, plusieurs savants, ça peut être une couture, en tant que savant, on va voler avec mon coup. Ah, l'une nimbée, elle est là. Oh, mais elle est là, nulle nimbée. Je pensais qu'elle était l'autre côté. Oh là là, ça m'en fout. Allez, on lui parle. Je pensais qu'elle était sur l'autre map, moi. Putain, je savais pas qu'elle était là, bordel. Vous connaissez les Cordites, n'est-ce pas? Son équipe, c'est nous. I suppose I know him. One wild dog looks much like another. Do they? You're a Cordite? What do you want? Alors, peut-être que Dieu nous a envoyé sauver Asrever, peut-être agréé par Liberty, ne pas vous mentir. Vous arrangerez qu'Asrever quitte l'Alliance des Liberty, peut-être que vous souhaiterez aussi. Alors, on va faire la deuxième, parce que si on parle des dieux et tout, j'ai peur qu'elle le prenne mal. More backstabbers. This camp is full of them.
I trust none of you. Ok. Celle de compagnardée, c'est celui de gueule d'acier. Ça serait bien plus facile si les pêcheurs se tiennent à l'écart. Ouais. Tu peux parler un peu plus fort par contre. Au lieu de chuchoter, là, ça me rend fou. En espérant que vous aviez un plan et manquer de gros bras pour exécuter. Well, I thought you might be the Reaper. I see now. You are just a scythe. Only an omen will convince Star the Dreams to leave this camp. And I have known for many weeks what that omen should be. I have just not found the courage to follow through. Perhaps your rude interruption is a sign that I must act. Okay. Near the wind farm where we fly our kites is an old ice cream truck. Ah. Meet me there. Oui. But you must promise not to tell Star that dreams of this. He must see my omen as a miracle and not a suicide. Très bien. Head toward the mechanic's garage, then take the track around past it. You will soon see the path to the wind farm. Non, mais oui, je sais où c'est. Before my courage fails me. Je sais exactement où c'est. Putain, je pensais qu'elle était là-bas, moi, déjà. Aïe, 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 aïe. Elle était à côté, quoi. Ah, ça me rend fou, cette mission. Ah ouais, non, mais c'est pas très compliqué, c'est juste que... Oui, bah les NPC, des fois, c'est relou. Il faut les trouver, voilà. Et j'avoue, est-ce que c'est moi qui fais peut-être pas assez attention et tout ou... Je sais pas. Je pense que des fois, ça pourrait être plus évident, en fait. Bon, enfin. Ça va, on avance. Que on s'en fout, le truc il est là, là ça. Fetch me a kite. There should be some usable kites near the bone pit where we throw the limbs of the sacrifices before they are sent to the sky. Wild animals prowl there, attracted by the meat, so be careful. Take the unguarded path on the heights. C'est pas où on a tué les vers. Je crois... Ouais, parce que là c'est protégé. Je crois que c'est où on a tué les vers. Bon bah du coup c'est tranquille. Alors tu veux des cerfs-volants, là il y en a ou pas? Ah là ça? Oh! Et on met ça où? Dans notre poche? Apparemment. Ok. Je vais pas... Et là du coup il y a rien d'autre à prendre? Ouais non, il y a rien d'autre à prendre. Non, let's go. J'ai pensé à refaire une partie. Ça serait si je prends les DLC, parce que les DLC vont apporter des armes et tout, et je crois que pendant tout le long du jeu, en fait, on va avoir les nouveautés. À la limite, ouais, mais bon, enfin, peut-être pas direct, hein, peut-être plus tard. Ah, si vous le dites. What? Ah putain, c'était rapide. Elle a pas hésité, hein, la vache. Now, my arms and legs. Do it. Vous apprêtez à découper les membres de l'Unimbé et à l'attacher au cerf-volant. Vous allez devoir vous y mettre à plusieurs pour réussir à porter assez haut ce que vous emportez dans le ciel.
Lorsque la corde est tendue, vous trouvez un endroit que vous cassez, vous faire attendre arriver la Striver. On l'a foutu sur un cerf-volant, la fille, quoi. Waouh. Brothers and sisters, hear me. There has been a miracle. The gods of the sky knew I was deaf to their signs. So they took my beloved Halo Moon as a sign. Flown from a truck bearing the words Alaska Surprise. The meaning could not be clearer. Our salvation lies in the north. So pack your tents and gather your slaves, my children. We must march. D'accord. N'importe quoi. C'est n'importe quoi. Du coup, ils sont toujours là, les... Non, ils sont partis. Ouais, du coup, on se balade. Après, moi je pense que ça serait marrant de faire un run où on tue beaucoup de gens. Genre, ouais, tous les méchants et tout, au lieu de discuter avec, on les massacre. Mais après, je sais pas si... Je crois que le jeu est quand même bien balancé. Hein. Par rapport à l'expérience, en fait. Voilà. Putain de merde, j'en étais sûr. Quand je les ai vus tous bouger, je me suis dit, putain, non, vas-y, débranche-moi ce câble très vite. Mais par rapport à l'expérience, que quand on combat, on gagne de l'expérience bien sûr en tuant les ennemis évidemment. Mais si on fait des... des actions sans combattre, est-ce qu'on gagne autant d'expérience? Vous voyez ce que je veux dire? Ou genre si on complète pas de mission et qu'on fait que combattre à tuer des gens, est-ce que on va gagner autant d'expérience que si on faisait des missions? Parce que là nous à chaque fois on essaye de faire mission plus combattre. Donc oui, il y a plein de petites questions comme ça que j'ai. Mais je pense que ça se vaut, honnêtement. Je pense qu'on arriverait plus ou moins au même niveau. Peu importe ce qu'on fait. Quasiment certain de ça. Ah tiens, on a un deuxième gardien. Un gardien est pas mal. Mais attends, qu'est-ce que c'est quoi? Je crois que c'était une épée, non, c'est ça en fait. On a pris le niveau, non. Ok, on va monter, on va continuer. Ah, parce que là, il y a des réservoirs et tout. Enfin, c'est des zones de combat, en fait. On aurait pu... genre, juste combattre...
tout le long, quoi. Distance critique, armure assistée. Ah tiens, on a le... On a eu le corps, mais on a déjà... Il y a déjà... Zeus qui l'a, je crois. Non ? Ou c'est nouveau, ça me dit rien en fait. Niveau 24 ? Non, si, si. Je sais pas. J'ai un doute. C'est comme ça que ça s'appelle, armure assistée ? Ben oui, on a une tête. Casque assistée. Niveau 24, oui, non mais c'est ça. C'est juste qu'elle est comme ça, l'armée, en fait. Encore un sniper. Putain, un javelin, un truc comme ça, normalement, c'est du même niveau. Hein, donc, je suis quasiment sûr qu'on peut... aussi trouver ça. Mais apparemment, non. Parce que les boîtes, c'est des armes d'un certain niveau qui sont aléatoires, en fait. Des os ? Ah ouais. Cool. Bon, on a fait tout le chemin. Bon ben voilà, on a fini. On va revoir les clowns. S'ils ont quelque chose à dire. Bon voilà, ça progresse. Maintenant, on peut aller faire le combat. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Non. Donc maintenant ils devraient être tous partis, donc toutes les boîtes et tout, on peut les ouvrir. Ça va être chaud. Ça respawn ça ou pas? Je suis sûr qu'on l'avait déjà ouvert. Boîte à outils. J'ai peut-être pas pris celle-là. Le bruit qu'il fait, ce machin, quand même, hein, c'est vraiment chiant. Bon, en fait, ils sont pas partis. Ah si, il y en a une partie, en fait. Il y a une partie, mais pas tous. Ouais, non, c'est bon.
Let's go. What? You ready now? Sommes prêts. About fucking time. Gas up your piece of shit and meet me at the arena. Hope you're ready to die, Cordy. Donc c'est quoi? C'est un contre un? C'est notre équipe contre son équipe? Ah oui, non, si, ça doit être son équipe contre... D'accord, c'est ça, en fait, c'est son équipe contre notre équipe. Donc j'imagine que... Bah là, en fait, il y a le strict minimum, parce qu'il n'y a pas les deux autres factions. Enfin, il n'y a pas... Oui, non, il n'y a pas les deux autres factions. Donc je pense que là, il y a le strict minimum. Par contre, il y a quand même trois véhicules. On va retester Cocotte Minute. Ah. Dégâts, c'est pas énorme. Mais on va les bloquer. Waouh, ça sert à rien en fait de taper. Il a 6500 de vie, c'est ouf quand même. Chaud, il sert à rien, Cordy, c'est bien. Pas le top top, mais on verra.
C'est un lance-flamme qu'il a, putain, merde, j'avais pas vu. Non. Ça va. Peut-être utiliser le Kodiak pour les écraser, là, les trois qui sont là. Je peux pas rouler ici. Putain, le clone il est là, quoi. Ça snap! Fais chier, je peux rien faire. Qu'est-ce que... Oh fuck. Cool. Parfait. Nickel. Nickel. Lui me fait chier en fait. Ah yes. Voilà. Eh bien un petit dégât là. Je voudrais bien faire ça, mais Cordite, il va se prendre des baffes là. Très bien. Ok. C'est pas si mal. Il y a pas de Zeus pour réparer le camion, ça c'est chiant. Lui, il va faire exploser le camion. Oh mon dieu, la vue, ça donne mal à la tête. Non! J'ai envie de dire pourquoi pas.
Nickel, ça, ça lui a mis l'électricité. Cocotte minute, c'est tout, je sais pas revenu. Pas marché, c'est bien. Très bien, ça fait un peu des dégâts sur le véhicule aussi. Ok, pas mal là. Là, ils prennent des dégâts de l'électricité. Hein. L'électrocution. Ok, lui, il va avoir du mal à nous toucher. Ouh, putain, électricité, plus poison, plus feu. Le machin, il a souffert. Sans déconner, putain de merde. Ça, on passe à travers l'armure. D'accord. Apparemment, elle a refusé de faire les coups gratuits. Parfait. Merde, il a résisté. Ah, 41, 80. Fou. Bien joué. Save your car.
J'ai l'impression que ça, la frappe nucléaire, en fait, où les dégâts ils sont vachement réduits parce que ça laisse du feu et tout ça pendant plusieurs tours. Ou alors le fait que ça soit du critique, ça le prend pas en compte en fait. Genre avec l'avantage, ça. Genre c'est pas pris en compte dans l'attaque spéciale en fait. J'ai l'impression. Parce que là on a fait 900 et quelques quand même. Sur les deux. J'adore la boule par contre, hein. La boule d'énergie là. Collectors are mine again. Another trial bested. Now there is only my return to the east to accomplish. Non, on va voir un peu comment ça va se passer maintenant. Don't worry. I haven't forgotten our deal. You have stood by me. I will stand by you. Until we take our revenge on that honorless fool, the Patriarch, I am yours to command. The moment he's dead, I take the Scar Collectors east, like I promised. But first, his daughter. Lena. Okay. Donc ça a marché. Attends. Par contre, je voudrais bien voir. Oui, les récompenses seraient sympas. You're telling me? Ça va faire 50 fois qu'on l'entend. Ça rend pas fou. Quoi? Ok, est-ce qu'on peut ouvrir les coffres et tout ça maintenant? Oh mon dieu! Ils vont me rendre fou les deux idiots là. Là on est du même camp maintenant. Non, c'est le sniper. Putain, je croyais que c'était la mitrailleuse, je sais pas quoi. Capsule de micro-fusée. Canon à 6 circulaires enflammés. Ah bah voilà, nouveau truc. Ah bah enfin, putain. Truc qui tire des scies. Bon, par contre, les snipers, on en a plein. On en a au moins 4, je crois. Le même. Ouais, 3. Avec celui à comporte 4. Donc, enfin, on peut les vendre, hein, ça fera de l'argent, hein, putain, mais bon, pas vraiment intéressant. Donc, c'est une arme, mais le problème avec la plupart des canons à 6 circulaires, c'est que les 6 ne sont pas enflammés. Donc, celui-là, il tire des 6 enflammés. J'avoue que. Surtout que sur elle, ça passe à 390, 541. Parce que elle a
le feu augmenté. Ah, j'avoue que... Ouais, ça peut être intéressant. Suite à monter de niveau, vitesse. Putain, on peut lui augmenter plein de trucs à lui. On peut abuser. Intelligence, parce que ça fait plein de points, je sais pas quoi mettre. Bon, ça va, c'est bien. Bon, arme lourde pour Thunder, ça peut être intéressant. Le coup du truc circulaire là, ça serait peut-être mieux que le lance-flamme. Mais faut augmenter les armes lourdes. Oh mon dieu, encore un sniper. Et ce foutage de gueule immense quoi. Et eux, ils vont pas, ils vont... Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont... So Cordite's in charge of the scar collectors again, huh? Ouais, ok. Bon, après on peut les défoncer, eux. Enfin, on les défoncera après. Quand on aura fini avec Liberty. Mais ouais, je pense... Oh putain. Je pense qu'on a une bonne bonne arme là. Bon bah d'accord, apparemment là on peut pas. Bon bah... Let's go. Non, tant que quoi. Graduated from follower to leader now. Right in. Cool. Ah, j'ai bien envie de recommencer en fait, dans un sens. Je sais pas. On verra les DLC ce que ça apporte. Avertissement, une fois que vous aurez affronté Liberty, vous n'aurez plus terminé de mission excepté à Humain la zone, et dans les zones DLC, c'est où devoir finir avant de continuer. Ah, shit.
Chier. Faudrait faire le bison alors. Bon, on va faire ça. On a Kwon avec nous. On va faire ça. Truc qui a plus de vie là, il est pas. Ouais, ça c'est toi qui réparera le véhicule. Bon, on va faire l'autre quête alors. Collectionneur, qu'est-ce qu'on fait? On les tue ou pas? Ouais, on les tue. Ça nous fera de l'expérience. Enfin, c'est un peu long. J'ai un peu trop. En fait, j'ai fait des putains de sessions trop longues en fait dans Westland en ce moment. Il faut que je m'avance sur lui, c'est ça? Ouais. Adios. Putain de merde. Nickel. On va se mettre là et on va faire la E. Thank you.
Bah, c'est bien. Je vais réparer un peu le camion aussi. Encore. J'ai pas assez de PA, c'est cool. Je me suis un peu peut-être mal mis en fait là, non? Nickel. Ah oui, il faut reprendre Scott aussi. Ah oui, il faut faire tous les grille-pains et tout avant d'aller voir Liberty. Oh là là. Oh. Ah, vous savez quoi ? Je vais me mettre dans la zone. On fera ça la prochaine fois. Parce qu'il faut faire le ranch. Puis après... Je vais rester juste devant. Puis après... il faut qu'on reparte récupérer Scott et on couvre, Scott et on ouvre les grippes. S'il y en a deux, je crois. Attendez. Non, il y a 3. Et parc et éolien des pêcheurs célestes. Éolien, pardon. Mine du collectionneur et le circuit du mât, proche de la mine. Ouais. Et après, il y a un animal niveau 10 aussi que je voudrais récupérer. Mais c'est autre chose. Putain, j'ai vraiment envie de l'utiliser, là, le truc qui envoie des lames. Mais on peut pas. Enfin, ça va être... Non, ça... Très bien. Genre, vous faites ça, vous lui mettez le grip, hein? Genre à la place de modification d'armure, par exemple. Ou d'explosif. Explosif, ça sert pas à grand chose, honnêtement. Je suis un peu déçu d'explosif. Je vais être honnête, je suis un peu... Un peu déçu d'explosif. À part à désamorcer les mines, ça sert pas à grand chose. Genre les attaques, elles sont un peu pourries. Alors oui, ça fait de la défense, mais basta quoi. Genre avoir explosif à 10, ça sert à quoi vraiment? Le point de vue combat, je parle. Point de vue combat. Alors après, je suspecte que le fait de pouvoir genre transformer les dégâts par exemple en explosif, là, si vous avez explosif derrière, là, ça va augmenter les dégâts grandement, normalement. Donc là, ça peut être intéressant, mais sinon... Merde. Oh là là, c'est où le Stinger? C'est là. C'est ça que je vais faire. Ça, est-ce que... Genre on peut modifier le type de dégâts quoi. Ça peut être intéressant. Genre un truc d'énergie à la place? Je sais pas. Je pense que les modifications de dégâts...
peuvent être très intéressants pour, par exemple, des choses comme, comme j'ai dit, là, des compétences explosives, par exemple. Parce que ça, c'est... dégâts explosifs plus 50%, c'est énorme. Ça serait énorme. Mais après, si vous utilisez roquettes et tout ça, non. Honnêtement, je vois pas vraiment la puissance du truc, c'est bof. C'est les roquettes, c'est rare et c'est super cher. C'est casse-couille. Je sais pas à quoi ça sert. Tiens, on va tester objet mystère. Ça sert à quoi, corps de brume? À utiliser pour agacer les gens autour. Aux alentours, constamment. D'accord. Attends, je veux juste sauvegarder et voir ce que c'est ça. Là. Super squeezing. À boire pour un effet 100% de dégâts de mêlée pendant 36 tours. Oula. D'accord. Allez, on va s'arrêter. À la prochaine, portez-vous bien. Et prochaine fois, donc on fera Knox. Après, on retourne voir récupérer Scott pour ouvrir les grippins. Et après, on fait Liberty. Il faudra aussi prendre Lucia avec nous. Et je me demande si ça sert à quelque chose de tout ça, là, ce qu'on a. Là. Je pense qu'on est, on est équipé, en fait, pour le fin de jeu. On a 13 000 de ferraille. D'argent, on a 6000, et honnêtement, on a plein de trucs à vendre, donc on est équipé si on veut. Mais honnêtement, je crois que ça suffit, notre équipement, ça passe. Comme j'ai dit, si on peut s'allier avec Liberty, ça serait cool. Genre là, en fait, ce que je voudrais, ce qui se passe, hein, je sais pas si c'est possible, mais ce que je voudrais, ce qui se passe, c'est... genre là, on a Cordite avec nous, on va voir Liberty, et au moment où on doit la combattre, en fait, on change d'avis, on se met du côté d'elle, on tue Cordite, parce que Cordite, du coup, il va pas aimer. Après, peut-être que Jody, tout ça, elle va partir. Et après, on va marcher sur le palais, là où il y a le matriarche, avec la fille, main dans la main. Moi, c'est ce que je voudrais faire. Si on peut pas, on emprisonne la fille, ou on la tue, on verra. Et après, on tue le patriarche et on prend le contrôle de tout le Springfield. Enfin, c'est pas Springfield, mais l'Arizona. On est en Arizona. Enfin, j'en sais rien. Du périmètre, je suis fatigué, ok? Mais on prend tout le contrôle. On fait tout ça, on fait que ça. On prend le contrôle avec la fille, ou alors on prend le contrôle seul. Tout simplement. C'est ce que j'ai en tête. À la prochaine. Ciao.